Ils peuvent arriver par là, non? Just try. The most important thing is to show women that there is a place for them. You have the ability to reach any goals that you want. I'm very, very proud. There is enough place under the sun for everyone. Focus. Work. The good things will come because you deserve it. Je m'appelle Veloria, j'ai 24 ans et sur le jeu, mon pseudo c'est Saltiviki et je joue à DC sur League of Legends. Moi je m'appelle Oriane, mon pseudo c'est Noxtra et j'ai 23 ans. Je joue à LoL depuis bientôt 8 ans et j'ai commencé fin de saison 3. J'ai commencé fin de saison 4 et bah là du coup ça doit faire 6 ans que j'ai commencé à jouer. Alors j'ai rejoint Women in Games pour atteindre le niveau Master et rejoindre une équipe semi-pro si j'ai les moyens et le niveau. Alors moi mon objectif ce serait d'être au moins Master et d'être stable en Master et si possible bah, plus. Ça fait plusieurs années que je suis l'incubateur Women in Games, bah, ça donne envie de l'extérieur et j'avais vraiment envie de rejoindre le projet, être coachée pendant 8 mois, rencontrer des acteurs de l'e-sport, c'est vraiment une chance, une vraie chance et j'ai envie de la saisir et de prouver de quoi je suis capable. Le but de Women in Games eSport, c'est de promouvoir la mixité sur la scène e-sportive. L'idée, c'est d'avoir plus de femmes joueuses professionnelles dans ce milieu-là. L'idée, c'est de proposer à des jeunes femmes talentueuses, des jeunes joueuses, des sessions de coaching avec des coachs personnalisés. Quand on part de zéro et qu'on voudrait évoluer dans ce domaine-là et qu'on n'a vraiment aucun contact, aucune attache, qu'on ne sait pas où chercher quelque chose, c'est plus compliqué. C'est tout à fait notre rôle dans Women in Games, c'est de créer ces passerelles qui manqueraient. C'est la passerelle justement entre jouer dans sa chambre ou que sais-je. Donc jouer dans sa chambre sur son PC et se dire ah ouais mais j'ai envie de toucher la compétition, j'ai envie de faire des choses. Et ben c'est la passerelle entre les deux. Ouais. Oui. Quand tu fais les shooting photos tous les jours, c'est ça? Jamais fait de ma vie. Au-delà du coaching vraiment pur dans le jeu, il y a un côté gestion du mental, comment se préparer à jouer, etc. On a aussi de plus en plus de partenaires qui sont impliqués dans l'incubateur, avec qui on travaille, qui vont nous aider et aider le pôle e-sport à faire grandir cet incubateur en proposant aux joueuses de rencontrer des professionnels du milieu e-sportif, de se déplacer sur les grandes scènes, comme par exemple à Berlin pour les LEC, de rencontrer des hommes et des femmes de l'e-sport pour pouvoir vraiment être au contact de ce monde-là et qu'elles se rendent compte un peu de ce que ça veut dire et de ce que ça représente d'être joueur pro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, se lancer dans la compétition, ça demande un investissement énorme. On voit tous ceux qui réussissent, mais il y en a aussi beaucoup qui tentent leur chance et qui au final n'arrivent pas et qui ensuite doivent se reconvertir. Les femmes le voient et se disent que le risque est beaucoup plus important que pour les hommes. Quand j'en ai discuté avec Noxtra, en fait, c'était le cas. Elle s'est jamais dit « je vais me lancer ». Et grâce à l'incubateur, en fait, elle va avoir sa chance. Moi, je vais l'accompagner et on va voir du coup jusqu'où on peut aller. Je pense qu'on va rapidement commencer plus vite que ce que j'avais prévu en fait. Mais tu joues encore à LoL, toi ? Oui. C'est vrai ? Je suis master. Oui, j'étais challenger toutes les saisons. Ah, je savais pas du tout. J'étais challenger toutes les saisons, sauf la dernière. Et là, j'ai pas atteint challenger, juste grand master. Ok. Juste grand master. Juste. Ça va. Oui. En soi, il n'y a pas de différence de genre ou quoi que ce soit. C'est plus souvent une question de confiance et d'environnement. La population de joueuses, elle est beaucoup plus faible que la population de joueurs. Et donc forcément, les filles qui ont le niveau sont moins nombreuses. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est conditionnement social et le fait que ce soit pas facile de rentrer dans un milieu qui a été un petit peu
qu'on a été un peu conditionné à voir comme étant exclusivement masculin. Donc, quand t'es une fille, c'est dur de te faire ta place facilement. Il faut que cette initiative serve de modèle, d'exemple, que ce soit médiatisé, que les filles voient que ben, y a des joueuses qui se donnent les moyens, qui font les efforts, qui peuvent perf. On va y arriver, mais il va falloir beaucoup de temps. On n'y est pas loin. Bienvenue! Viens, Lola. Bienvenue chez moi. Voilà Nola, le chien de la coloc. Donc là, on arrive sur un grand couloir, là où il y a toutes les chambres, avec la mienne au fond, avec mon setup. Donc avec le PC que Mastercard et Société Générale m'ont offert. Je suis bien contente de l'avoir. Welcome to the League of Legends. Et bah avec VQB, on a commencé à travailler ensemble, on a mis des outils en place, un suivi de solo queue, un emploi du temps sur les séances qu'on fait ensemble. J'ai aussi vu avec elle des méthodes de travail et certaines notions du jeu, et ouais, ça progresse de petit à petit. Quoi. Alors, totalement saisi ce que je lui dis maintenant, ça va beaucoup l'aider pour la suite et elle va progresser assez vite. Vicky s'est fort améliorée depuis qu'elle a rejoint l'incubateur. Pas uniquement par rapport au jeu, même si elle a clairement évolué par rapport au jeu parce qu'elle a atteint un niveau qu'elle n'avait jamais atteint les précédentes années. Ça lui a apporté beaucoup de confiance en elle, je pense, de participer à ce programme. En général, ce passing-là, il est rarement utilisé, à part s'ils ont une vision concrète sur vous. La plupart du temps, c'est quand même préférable justement de vous placer ici. Et vu que level 1, votre Akane, normalement, il a mis une ward dans ce bush-là, vous êtes quasiment sûr qu'eux, ils n'ont pas mis de ward. Parce qu'en général, tu mets jamais de ward dans ce bush-là. Si jamais l'adversaire il est placé là et que ton support est là et que toi t'es là, vous êtes en 2v1 parce que le support en face il est beaucoup trop loin et il peut pas mettre de pression sur vous. Et ça c'est le principal à retenir pour la bot lane. Toujours rester parallèle avec ton support et faire en sorte que eux ne le soient pas. Et pour ton tournoi là pour la LAN, si vous gardez ça en tête, les joueurs en face l'auront pas forcément vu que ils seront peut-être sur un petit peu plus de jeu au feeling. Bah toi avec ces connaissances là, je pense que tu vas pouvoir en tirer un gros profit. Ben j'espère. Le fait d'avoir un coach qui me suit au quotidien, ça m'aide à me caler à des rythmes de vie comme si je travaillais en fait. Je dois être présente quand il y a des horaires de coaching. Je dois faire attention à ce que je mange pour pas être trop fatiguée lors d'une séance. Je dois faire attention à pas me coucher trop tard pour pas être fatiguée quand je joue. Je dois faire attention vraiment à plein de choses et même côté social, je dois garder des bons liens avec lui, ça doit rester quand même cool. Il m'aide à me détendre et à moins stresser, parce qu'avant j'avais un peu du mal à parler avec quelqu'un comme ça. Maintenant que je suis coachée, je sais que je peux faire certaines choses sur le jeu qu'avant j'aurais pas pu faire. Je sais pas si aujourd'hui Veloria pourrait devenir joueuse professionnelle, de par le contexte justement de la difficulté de se faire une place dans ce monde et sans doute encore plus en tant que fille. Elle meurt d'envie de faire se développer la scène, de donner envie aux autres filles de se lancer, de tout donner et d'atteindre le meilleur niveau qu'elles puissent avoir. Quand parfois on est en partie de League of Legends et qu'il y a des gens, par rapport à son pseudo, c'est vrai que c'est Vicky, c'est assez reconnaissable que c'est une fille. Et c'est vrai que parfois on est tombé sur des joueurs qui tout de suite, bah, tous les clichés qu'on peut entendre sur les filles dans les jeux vidéo, t'as rien à faire là, ta place elle est pas ici, ta place elle est dans la cuisine et tout. Là maintenant elle va être plus à essayer de comprendre pourquoi la personne réagit comme ça. Elles sont pas plus dédiées à une tâche que d'autres. Elle essaie, à son échelle toujours, de faire changer la mentalité des gens. Vu que c'est tes premières expériences en LAN, tu vas pas vraiment pouvoir éviter le stress. Tu vas peut-être avoir un petit peu de mal sur les premières minutes. Si tu reprends une respiration un petit peu tranquille, un petit peu posée, tu vas même plus y penser et tu penseras qu'à une seule chose, c'est ta game. Je te souhaite bon courage et bonne chance pour le bracket et enjoy la LAN. Bah merci, ça me stresse un peu mais je vais tout donner. Eh bien c'est le principal, casse tout. Allez, ciao. Ciao.
le sport, bah, c'est une des plus grosses LAN de France. Du coup, il y a énormément de grosses équipes françaises qui participent. Ça peut être les équipes de LFL et aussi des équipes de streamers, les équipes semi-pro et tout. Du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de beau monde. Alors pour la Lyon eSport, on a essayé d'apporter un cadre particulier à l'équipe avec Noxtra et Vicky. Donc l'idée, c'était de construire une équipe autour d'elle. Et on a trouvé des joueurs et créé une équipe qui s'est entraînée en amont de la Lyon eSport, en partenariat avec Gamers Origin qui nous ont prêté leurs locaux pour pouvoir finalement essayer d'avoir une expérience la plus proche de ce qu'ont les joueurs semi-pro et professionnels. Salut ! Salut ! Ça n'a pas été forcément évident d'avoir deux joueuses sur le même rôle et on a vu avec elles quel match elles préféraient jouer. Ça s'est beaucoup fait en coopération en fait avec elles. On a mis aussi à disposition des coachs pour qu'ils s'occupent de l'équipe pendant le tournoi, avec évidemment phase de draft avant, analyse de la game et puis le post-game pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. I wrote here every rules and everything you have to know for the day. So like this you can remember everything that you have to. Prio first, then the vision, then the prio, then the objectives. We play the position and then after we play for the objectives, okay? So this will be the ban for the red side and this will be the ban for the blue side. And if you want to change some, just tell me. Thank you for being here. I know you didn't have much time to practice together, so it's difficult sometimes to feel as a group when you didn't have the time to really train and to meet each other. Just enjoy. We don't put any pressure on you. Focus on your game. Just enjoy your game. And we will be very proud of you, whatever happens. Are you all ready? Yes. Do you want to play things? Yes. Nice. I think he's dead. Nice. Nice. Okay, nice, nice, nice. We play. Dead. Well played. Attendez, je t'ai. Attends, let's go. It's not over yet. Let's go. Let's go. C'est cheaté, c'est fine. Je pense que j'ai fait une bonne game. J'ai pu pick mon Ziggs, ça fait trop de dégâts ce champion. Donc je suis trop contente. On joue les Silver ou Game World? On joue les Silver. Cool. He's dead. Nice, guys. Let's go. Tiago. Nice. GG. Nice. Let's go. On vient de finir notre deuxième match. Il y avait une grosse différence des lots avec l'autre équipe. Ça s'est passé comme ça devait se passer. On a gagné en 15 minutes. Et ça fait du bien au moral, quoi. Ça motive. Là, on va jouer contre Game Ward. Du coup, le premier va dans l'arbre pro et le deuxième dans l'arbre amateur. Ils sont en LFL et ils sont super chauds. C'est tous des monstres, ça va être dur. On va essayer de ne pas perdre trop vite. Je me suis dit que ce serait vachement... ce serait marrant de jouer contre Game Ward avec un chien Game Ward. Peut-être qu'ils auraient un petit peu de pitié. Ok, guys, Cryo, ok, nice. T'as pris un good trade bot là. Nice! I solo killed the pro player. Ok, I'm dead. Can you help, bot? Yeah, but they're replacing me. We can't win. Il est trop fun. Ah, so close. Just try. Kill everybody that you can. Just one kill, it's most important for us. Jouer contre Game Ward, c'est hyper particulier parce que c'est une équipe qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'affronter en dehors de la LAN. C'est pas notre niveau encore pour le moment, on en est super loin. Ça fait une expérience, on peut voir eux comment ils jouent, à quel point c'est propre, c'est réglé, comment ils prennent l'avantage sur des petits détails qui peuvent paraître insignifiants pour la plupart des joueurs, mais eux, ils prennent l'avantage sur ça. Un tout petit truc, ça peut être la victoire en fait. Can you all take a break, please? Go outside, take first care, please. Next. Yeah, maybe.
Can you please go out? He's my because class. You need it. Bah là, on est dans la huitième game dans le loser bracket et on va jouer contre Lunari. C'est vraiment la game à gagner, quoi. Si on perd, du coup, bah, ça s'arrête. On n'aura plus de game. On banne Jinx ? Zaya ? Ouais, vous banne Zaya. Zaya, parce qu'en fait, Zix, ça montre que le jeu est pas bot. Ok, remember, this game is like important, but do not put too much pressure on you, ok ? Nice. Ils vont prendre le tour bot. Hein. That's the end of the journey. Yeah. Yes. But that was a good journey though. GG. Yeah. This game was kind of sad, I think, but. Like they got we did well. Yeah. Yeah, we did well. They got every objective. We're not expecting a lot, and I think that we did a lot. Yes. GG, mon frérot. GG. Allez, c'est pas grave, on va c'est légal. Hein. Notre objectif, c'était vraiment de perf quand même, de faire de bonnes stats parce que bah on est là pour se battre pour la mixité dans l'e-sport et de montrer que les filles peuvent aussi bien jouer que les garçons. Et bah, je trouve que ça va, on s'est pas mal débrouillé. On a fait 8 games pour 5 victoires. Du coup, on est plutôt content, on a fait une bonne perf, je trouve. L'expérience dans l'Unisport, ça me motive de ouf à participer à d'autres compétitions. L'ambiance des LAN, c'est vraiment chouette, on rencontre plein de monde. On peut voir comment les autres équipes elles jouent. Pour une vraie LAN, ce serait encore mieux. Franchement, c'était incroyable. Ça fait bizarre de voir son équipe en vrai et de jouer avec eux. On est là à côté, c'est vraiment trop bonne ambiance. On peut se regarder, on peut se voir, on peut se parler. Et du coup, ça crée forcément des liens et on est plus soudés. On peut se réconforter quand on perd. Puis on fête la victoire ensemble, c'est vraiment cool. Du coup, on a pu affronter une team pro et on a pu voir vraiment le monde qu'il y a entre ce que eux font et ce que nous, on fait. J'ai beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et déjà là, je vais essayer d'intégrer dans mon gameplay tout ce qu'on a vu en coaching avec Steve. Et à partir de là, après, je pourrai travailler pour atteindre leur niveau. Dans ma famille, on a toujours joué aux jeux vidéo. Mon père, il a toujours joué. Il a commencé sur les premières consoles, les premiers ordinateurs. Et forcément, quand on était petit, on a un peu été bercé là-dedans. On avait la PlayStation, après on a eu la DS. Je pense qu'ils ont découvert le jeu grâce à moi. Voilà, grâce à moi, à cause de moi. Au début, eux, ils jouaient surtout à des jeux éducatifs, genre à Dibou. On jouait à Marvel Ultimate Alliance. J'avais un copain qui venait. On avait branché 4 manettes sur le PC. C'était très coopératif, tous sur le même écran. C'est quoi ton fond d'écran ? C'est le Commodore 64. Une passion maintenant pour Commodore 64. Ouais, c'était mon premier ordinateur, donc... Et du coup, c'est ceux-là ? Du coup, c'est les bêtes-là. Et ils marchent ? Ils fonctionnent, ouais. Et en plus, ça avait un son génial à l'époque. Il y a un bouton. Je sais pas comment ça marche. Et il faut tirer en dedans, hein, parce qu'autrement... Ouais, ça va. On dirait pas que t'es pro à League of Legends. Hein. Ou je suis pas pro. Les APM, les APM. Merde, voilà. Je joue toujours beaucoup à League of Legends. J'ai pas encore réussi à atteindre mes objectifs. Je me suis beaucoup améliorée, mais j'ai un peu de mal à le... transcrire dans les parties classées. J'ai toujours cette envie d'un jour être pro. Après, on verra si j'y arrive ou pas. Mais c'est vrai qu'à côté, j'ai toujours mes études. Je suis en deuxième année de psycho. Je fais aussi un travail à temps partiel. Je fais de l'aide à domicile avec les personnes âgées. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu concilier les trois et c'est pas toujours simple. La première fois, tu t'es installé devant mon ordinateur. Avec ton doudou derrière. Le fameux. Ça devait être en 2001, donc 3 ans. Je te grande. Ouais, c'est ça, 3 ans à peu près. T'étais une vraie pipelette. Ça annonçait les prémices. Oh bah oui, au moins.
Ma fille, mon fils ont été élevés de la même façon. Ils ont toujours joué à ce qui les intéressait et on les a jamais orientés parce que c'était une fille ou un garçon. Mon copain aussi est dans le domaine du jeu vidéo. Il est leader dans son équipe, donc c'est lui qui dit ce qu'il faut faire principalement. Entendre sa communication, par exemple, ça m'aide à un peu voir comment ça doit être dans une équipe. Paradoxalement, c'est pas lui qui m'a le plus encouragé. Il m'a plus ramené un peu à la réalité des choses, à me dire bah c'est beaucoup de travail, faut beaucoup s'entraîner, faut avoir un bon rythme de vie. Et puis moi j'étais un peu un mollusque avant. Bah après il me donne toujours des bons conseils, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de les suivre. Bah là je termine mes affaires pour partir à Berlin. Franchement j'ai trop hâte, ça va être un truc de ouf. Enfin je vais en G2 quoi. C'est trop trop bien. Hi, Nicolas. Hi. Yes. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you guys. Hello. Hello. Moi, je crois. Hey, hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ciao, Hi. What's your name? Aurélien. Aurélien? Veloria. Veloria. Oh, that's beautiful name. Elle est encore plus belle. When you started, there was almost no women in the field. How was it to be one of the first? I was lucky enough that I had some of the few women that were already in the scene, that they talked to me and they took me under their wing. This is something that a lot of the women in esports do. They're very welcoming and they're trying to help the other women that start. There are many women on the backstage, but there is almost no women who are players. Yeah. Have you ideas why? I think, especially when I grew up, it was very much like girls play with dolls, boys play with Legos and climb trees. I also think the fact that the gaming houses and the situation, can you imagine as a girl to explain that, oh, you know, I'm going to play professionally, but I'm going to live in a house with four other male teammates. And then it's something I think that organizations need to think about as well. And there needs to be more guidance psychologically to make sure that everyone is feeling comfortable and that they can be the best possible environment for the women to thrive. We have our social media team working here. Hello. Hi, this is where I live. Well, not live, work. I have a little welcome room and let's make our way to the meeting room. Okay, so we can be comfortable and have a little chat. Are you working with a lot of women? Actually, in G2, I'm extremely proud to say that we have so many females in the company. It's quite incredible that on the head and director level, I don't know if we have more or at least 50-50, male and female. And it's very diverse, and I think it really reflects in decision making and the things we do. I think it's probably similar if you look in any traditional sports as well. Like, there are female leagues, but they're usually either smaller or less prominent or get like less funding. I think it's basically a long process with normalizing female players as a thing. I know a lot of professional players, girls, who would for a very long time still have a job and play as a professional or do something on the side and play professionally just because of how insecure they feel for the career. But I think, honestly, it's all moving in the right direction. Only very little amount of people become professional players, whether it's League of Legends or football or basketball. If a boy says like, oh, I'm playing League of Legends, he's gonna be a pro player. Everyone's like, let's go, bro. And then as a girl, it's like, oh, I'm playing League of Legends, I'm probably gonna be a pro player. It's like, that still needs changing. And I think it takes a lot of, like, you know, kick-ass girls like yourselves to play the game, to have good results, to show that you actually can be as good or better, ideally better, and then just to have this as a proof, you know? I play a lot of Valorant, for instance. I love the game so much, but it's really hard, you know, because if you're constantly getting told, go back to the kitchen, yes. This, you can't play, and it's not that and we know what we're worth, right? But if you hear it 10 times a day, you're just like, okay, well, why would I even try? It's really difficult to kind of shift the culture quickly. There is definitely an upside to being a girl. I mean, if you look at me, for example, you could make the argument that the attention I got and the following I got initially was because I'm a girl. I would say it is easier to initially get attention,
But it is hard to retain that attention and to be taken seriously yes. when you do so. About the house. I see a messy room, but I think it was Wonders. I'm not messy. Do you think it's possible to become pro player now? Yeah, I think it's possible. But I think you have to give up everything, almost everything in life. Okay, actually, okay. I think so. I think you will get pushed aside by people that don't have interest in anything that isn't playing. So you need to be the same. Okay. Work hard, and then once you work hard, you can work smart. But if you're not working hard, then it doesn't matter. Some people don't want to work 14 hours a day and not do anything else. But some people like this. I think the norm right now for being a league pro is doing nothing but playing games. That's yes. it. And stuff outside, obviously, that could help. I mean, not every team is getting into this, but like trying to be healthy and stuff. But this is for working better. This is not yes. for outside life. It's just your life is league. That's it. On arrive à la fin de ces deux jours. Comment vous avez trouvé un peu ce voyage, ces déplacements à Berlin là, et toutes ces rencontres? Bah, trop bien. Globalement, ouais. Bah, plus top que top. C'est ouais. passé super vite. Genre, on s'attendait à ça, mais c'est encore. C'est encore plus, ouais. C'était incroyable. Ce que je vais retenir, c'est. Bah, c'est possible. Si on a envie de travailler dans l'e-sport, c'est possible. Faut essayer, faut pas hésiter à demander. Sans se poser des questions, sans penser à la suite, juste essayer, demander. Moi, ça m'a donné envie de jouer encore plus. Ok, ouais. Et même de me renseigner vraiment sur les métiers dans l'e-sport, parce que ça me donne vraiment envie de travailler dans l'e-sport. Genre là, c'est sûr. Ok. Oui, moi aussi. J'entends toutes ces personnes qui disent que c'est possible, qu'il faut essayer, qu'il faut croire en soi, que tout le monde fait des erreurs. Parce que avant, j'y croyais pas. Ensuite, oui, du coup, j'y croyais plus. Il y a eu style, du coup, j'y croyais plus. Mm-hmm. Et rencontrer tout ce monde-là, bah, j'y crois encore plus que c'est possible, tu vois. Je réalise que c'est possible. Voir vraiment ces personnes, ces genre, stars internationales, on va dire, du milieu, ça fait vraiment prendre conscience que c'est possible. Genre, c'est concret, tu vois. Vous vous êtes un peu rendu compte aussi, de la, quand, bah, quand on a discuté avec les joueurs LOL, de ce que ça coûte aussi, d'essayer de devenir un joueur pro. J'ai tout ce qu'a dit Reckless qui tourne en boucle dans ma tête depuis tout à l'heure. Ça donne un côté réaliste à la chose. C'est plus seulement un rêve. C'est aussi rencontrer les personnes qui le vivent, ce qui est pour nous un rêve, et que c'est une réalité, et qu'ils nous parlent de ça, de leur quotidien, quoi. Et ouais, c'est des énormes sacrifices, et c'est vrai qu'en n'ayant pas de garantie, bah, ça fait peur. Bienvenue sur le Lunch Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde en partenariat avec Women in Games. Qu'est-ce que tu penses justement de ces stats sur les femmes, de leur présence plus ou moins dans les circuits compétitifs? Ben, je pense que c'est un problème sociétal, comme Noxtra disait, les filles sont pas du tout habituées à tryhard un jeu. Moi, je me rappelle à l'école, quand je disais que je voulais faire la compétition sur Mario Kart avec mes amis, c'était pas possible, quoi. Ils étaient en mode, mais non, t'es une fille. Qu'est-ce que tu fais là? Déjà une première. Et moi, je disais, ben si, je veux jouer, puis je l'ai fumé, voilà, ils étaient pas contents. Bah, peut-être que vous le voyez pas parce que vous êtes des mecs et qu'on va pas vous l'afficher devant, mais c'est vrai que c'est au quotidien, ouais. En fait, c'est ça qui est fou. À la base, mon pseudo, c'était « je veux pas qu'on sache que je suis une fille quand je rentre dans une moi game ». Moi aussi, ouais. C'était ça. Ça m'est arrivé une fois, ça, sur LOL, d'un coup, un mec qui me dit « oh, you're bad, you're a girl », et il commence à me run down ma lane. Ah oui, ça. Mais ça m'arrive qu'une oui, fois, c'est ça, parce c'est que pas le mec, il a été sur Twitter me stalk. Et il a posté une fille sur Twitter et pour me hint ma game. Oh la vie incroyable! Ah ouais, non, mais il était un peu ravagé. J'avais même installé, quand j'ai joué à Valorant un petit peu, j'avais même installé un modificateur de voix pour n'entendre pas que j'étais une fille pour pouvoir comme dans le chat parce que je devenais folle. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de barrière, que ce soit femme, homme, ce que vous voulez, qu'on soit tous égaux. Le but de Women Games, c'est vraiment la mixité. C'est qu'on soit joueur, homme ou femme, peu importe, on soit un joueur dans une équipe et puis c'est tout. Alors là, on est à Poitiers. C'est la dernière étape de l'incubateur.
on va participer à la Gamers Assembly, donc je suis très contente de faire cette LAN, mais en même temps je suis un peu triste parce que ça signe un peu la fin. Moi je fais partie de l'équipe Grobil Reborn avec Crackmo. Il m'a fait super confiance pour rejoindre son équipe et je suis super contente, j'ai trop hâte de lui prouver ce que je vaux. Et il y a Noxtra aussi qui a son équipe, c'est les Pixel Warriors. C'est trop cool qu'on puisse avoir chacune notre équipe parce que l'année dernière on était ensemble, du coup on devait se partager la même place et c'était compliqué de prouver notre valeur. Mais là vraiment j'ai trop hâte de prouver ce qu'on peut faire et on va tout donner quoi. Pour l'occasion, on a réussi à faire 3 rosters mixtes avec en tout 10 hommes et 10 femmes. Donc très contente de pouvoir représenter Women in Games à la GA 2022. Je voulais vraiment vous remercier de venir aujourd'hui pour jouer, pour montrer aussi qu'on peut faire des équipes mixtes et qu'on peut jouer tous ensemble. Finalement, même oublier le genre, on n'en parle même pas. Et on est juste là pour performer, mais s'éclater avant tout. Essayez de donner la meilleure version de vous. Que ce soit dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments. Il faut vraiment profiter du moment présent, parce que ça va passer très vite. Vous allez voir, le week-end, il va passer en un éclair. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, let's go ! Allez la team. Ok. Regarde. Ok, je reset, je vais vers Southside. Ils doivent arriver par là. Ok, Trunnel, décale pote, je vais t'inviter. Mourrez pas. Nice. Let's go. Globalement, je suis assez contente de moi. Je pense que ce que je vais améliorer là pour la suite de la LAN, c'est prendre encore plus confiance en moi. Là, on va rien lâcher, on va tout donner. On vise le top 8, au pire, l'arbre élite. Le coaching entre nous deux au début, ça a été un petit peu pas évident. Surtout qu'elle jouait avec un setup qui était vraiment terrible. Elle jouait avec une collection qui était terrible. Donc les deux premiers mois plus ou moins, c'était galère de fou. Et au moment où elle a reçu le setup de Géo et une vraie collection, là à partir de là, ça a commencé à être sérieux, ça a commencé à voir l'évolution qui a monté en flèche. Du début de l'incubateur à maintenant, elle a beaucoup évolué, donc elle a beaucoup gagné en connaissance de jeu, sur la gestion de web, match-up, etc., vision de jeu globale. Et au-delà de ça, elle a surtout beaucoup gagné en assurance. Elle arrive à avoir des responsabilités qu'elle ne pouvait pas avoir au début. Moi, c'est la première fois que je vois Noxtra en LAN. Elle est assez expressive, assez vocale en fait. Quand ça se passe bien pour elle, elle est... Elle va pas hésiter à lâcher des commentaires, ouais, je t'ai tué et tout, des choses comme ça, donc c'est assez marrant. J'ai remarqué beaucoup de différences entre la manière dont elle approche le jeu, mais aussi son comportement dans le jeu, envers les autres, avec ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires, enfin tout ça. Et aujourd'hui, on le voit en LAN, dans son attitude, et c'est cool quoi. Voilà, la game actuellement, ça se passe plutôt bien. J'ai confiance, je pense que celle-là, ils peuvent la prendre, ouais. Dernière game, voilà, on a bien joué, c'était propre, ça fait du bien. Depuis ce matin, c'est un peu compliqué. On a commencé avec une bonne game de 43 minutes, mais on l'a perdu à la fin, on a fait un petit throw. On est un peu déçu. Après la deuxième, on l'a gagné. On a perdu la troisième, on a perdu la quatrième. Alors, cette cinquième game qu'on gagne, ça fait vraiment du bien. Bah après, on sait que notre équipe, elle s'est formée il n'y a pas très longtemps, donc on sait qu'on va pas gagner la LAN, quoi. On y va pour faire notre mieux et nous amuser. Donc aujourd'hui, c'est jour 2. Hier, c'était vraiment très chaud. Mais on a réussi à se qualifier. Nos 3 équipes sont donc dans le bracket intermédiaire. On a Vicky qui va évoluer dans le winner bracket. Ça veut dire qu'elle peut avoir une petite chance supplémentaire au cas où il y a un petit couac. Et par contre, Noxtra, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc là, on va vraiment tout donner et c'est parti. Au pire, nous, on l'a pique karma. Ouais, je suis assez d'accord. Go ban Jinx alors. On pique Gnar 100%, on ban Irelia Ashkan, et après si ban MF, on peut envisager le Ziggs. Allez la team! Je prends le Figo, donnez Figo.
Il y a pas mal de chute, on peut tourner en haut, hein. On peut tourner en haut. Joue-le. Ils ont pas le droit de passer, on a trop peur pour rien en vrai. C'est une bombe atomique. On peut, ils ont tout en CD. Pas de pizza, Let's go. Mais t'es trop ouf. Bien joué. Ils ont failli comeback, il y avait un Viego qui était plutôt bien. Mais sinon, Krakmo, en fait, il a fait des gros plays, des gros moves. Il a vraiment été trop fort sur la game, genre vraiment. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment une légende. Si on perd, on est out. Alors, faut vraiment qu'on gagne, on n'a plus le choix. Pixel Warriors! Attention, ils vont nous engager par le flanc. Hein. On a le push top, donc tu prends la prochaine et ensuite tu vas vite aider. Et ça, normalement, on est bien là. C'est chaud, il n'y a plus de clip. On a répété le tour d'Elexus, c'est pas mal en vrai. Hein. Je veux back vite fait, Mulan. Mais ça fait trop mal, Trundle. Il faut le tank. Yumi, il faut reculer. Arrêtez. Ouais, là, c'est chaud, je tank toute leur team. Reculer. On va perdre là-dessus. Dommage, c'était close en vrai. Dommage. Bien joué. Oui. Bon, je suis dégoûté. Voilà. Je sais pas quoi dire là, honnêtement. Du coup, là, on est en loser bracket. Donc, si on perd, on est éliminé. Donc là, c'est un match super important. On est ready? Ok, j'arrive. Y'a pas de ward. J'arrive. On veut pas les engager. Ils vont vouloir fight, hein, de toute façon, ils veulent nous bait au baron pour le fight. Adieu, je sais pas quoi faire, c'était la pire game de ma vie, là. J'étais vraiment pas dedans. Ça va ? Ça ? T'es pas déçu vu que t'as fait une bonne game ? Non. Ouais, c'était dur, là. Le GP, il faisait trop mal. Bah du coup, on est éliminé. On a perdu round 3 du loser bracket. Ça aurait été mieux si on avait pu aller plus loin encore. Je suis vraiment déçue, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. L'objectif premier de cet incubateur, c'était de pouvoir faire quelque chose, agir pour aider à avoir plus de mixité dans l'e-sport, se dire on peut faire quelque chose à notre échelle. On va aider des talents qui existent, qui sont là, parce qu'on sait qu'elles sont là quelque part. Il faut les trouver, ces pépites. Il faut absolument les aider parce qu'elles vont passer à côté de quelque chose, principalement avec des ressources humaines et avec de la bonne volonté et une sincérité dans la démarche et une vraie motivation, on peut y arriver. C'était une évidence qu'on allait arriver à faire quelque chose avec Noxtra et Vicky sur League of Legends et je trouve que c'est totalement mission réussie quand on voit le parcours qu'elles ont mené tout au long de l'année et on voit le changement aussi, cette prise de confiance en elles. Elles ont gardé leur personnalité, elles n'ont pas changé, mais elles ont pris tellement en assurance et en confiance et en expérience que c'est fabuleux. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et d'horizons différents. Et c'est pas que le tissu associatif qui est très important et qui a peut-être été moteur aussi là-dedans, mais c'est aussi les éditeurs de jeux vidéo qui s'y mettent, c'est les partenaires, les marques, qui aussi se disent on a une mission aussi pour améliorer la mixité dans l'e-sport et qui s'y mettent. Donc c'est là que je vois la différence et c'est là que je vois l'évolution. J'aimerais que l'e-sport soit le reflet de la société, le reflet du monde. Ça y est, c'est la fin de l'incubateur. Ça fait des mois qu'il nous accompagne. Ça fait vraiment bizarre parce que j'ai l'impression de vraiment terminer la page d'un roman, genre. Ça fait un petit peu peur maintenant d'être tout seul parce que c'est vrai que déjà le coaching avec Steve, ça durait depuis tellement longtemps. On avait nos petites routines et tout, ça apportait beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, c'est à moi de continuer toute seule ce qu'on avait ensemble. Le moment qui m'a le plus marqué, je dirais quand même que c'est d'aller à Berlin. C'était vraiment un truc que j'aurais jamais pensé faire un jour. On a aussi été sur le plateau de Le Stream, donc c'était une expérience unique parce que c'est passé en direct devant des caméras, devant plein de spectateurs. J'ai aussi pu faire des LAN, rencontrer plein de gens que j'ai jamais vus en vrai.
C'est vrai que c'est vachement enrichissant humainement parlant. Et ça m'a permis d'être plus ouverte aux autres, moins timide et d'avoir moins peur d'aller vers les gens. Après Berlin, du coup, j'ai vraiment pris conscience que je voulais travailler dans l'e-sport. J'ai pu rejoindre une équipe féminine et avec cette équipe féminine, Vitality nous a accompagnés. Et puis bah, j'ai eu une proposition d'offre pour travailler à Vitality, au cybercafé à Vive. Donc j'ai quitté mon boulot du Puy du Fou en Vendée pour déménager à Paris et me lancer dans l'e-sport. J'avais super peur au début, mais c'est vraiment zéro regret, genre c'est trop bien. Bah avant l'incubateur, j'aurais pas pensé que c'était possible en fait de rentrer dans l'e-sport, que ce soit en joueur ou en staff dans tous les différents niveaux de l'écosystème. Et c'est vrai que rencontrer vraiment les personnes du métier qui nous disent bah faut essayer, faut se lancer, et il y a de la place pour tout le monde, bah ça fait y croire et ça donne vraiment envie de le faire parce que c'est possible au final. Je me sens bien dans ce milieu, je me sens à ma place. Bon, j'adore. J'adore et j'ai envie d'en faire partie aussi. J'ai pas fait beaucoup d'études parce qu'à 17 ans, je suis tombée en dépression parce que j'ai perdu ma maman. Et donc l'e-sport, ça a été une sorte d'échappatoire. Et donc jouer, en fait, ça me permettait de m'évader, on va dire, de penser à autre chose. Puis Wig est apparu. J'ai vraiment vu la lumière, en fait. Genre, c'était... Je suis passée de rien à tout, en fait. Genre, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité, en fait. Moi, j'ai envie de dire merci que ce projet existe, parce que c'était vraiment super enrichissant. Enfin, on a fait des trucs de dingue qu'on n'aurait jamais pensé faire. C'était une expérience incroyable. Bah, c'est vrai que j'ai aussi envie maintenant d'un peu perpétuer ça, de pousser les femmes à jouer, à se mettre à l'e-sport si elles ont envie. Après, c'est pas pour tout le monde, mais si on a envie, pourquoi on se priverait parce qu'on est une femme? Ça n'a pas de sens. Il y a de la place pour tout le monde, même s'il y en a qui sont pas prêts à ce qu'on soit là. Ben, il y a de la place pour nous et il faut la prendre. Moi, je trouve que j'ai été très bien accompagnée cette année. Et j'aimerais beaucoup que des femmes se sentent légitimes de faire partie de ce milieu-là. Parce que oui, il y a des filles qui ont largement le niveau d'être en équipe. Et il faut juste qu'elles aient confiance en elles et qu'elles puissent jouer et montrer ce qu'elles valent. Et si vraiment je peux les aider et au moins juste être un beau modèle pour elles, qu'elles se disent « Oh, j'ai trop envie de faire comme Vicky, son année avait l'air trop bien. » Bah ouais, j'aimerais trop. Il faut pas non plus se laisser décourager par les mauvaises expériences qu'on peut avoir dans les chats vocaux ou autres. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie. Si on a envie de jouer, on joue. Et puis ceux qui sont pas contents, ben ils sont pas contents, on s'en fout. Si je devais vraiment trouver un mot pour définir mon année, ce serait incroyable. C'est un club de fin, c'est-à-dire c'est fini. Et ça fait un bizarre aussi de plus vous voir tous. Ben, merci pour tout et bien.